Et salut tout le monde, c'est Tetsuo et voici pour Nouba Gerari avec un Clarence qui est bien sans sa peau. Et on ne peut pas rentrer car les clés ne marquent pas de ce côté dans la maison que nous avons terminée. Donc nous allons devoir faire du voyage extradimensionnel pour revenir. Parce que bon, vous savez, c'est évident. Donc on va déjà commencer à faire de la plateforme ici. Et ici, notre porte de voyage extra-dimensionnel. Bienvenue dans le monde de dehors. Est-ce que ça n'est pas magnifique? Pour aller au travail, tu vas devoir continuer de te balader à droite à travers les rues, le parc et finalement la ville. Et donc du coup, ici, nous avons débloqué un niveau. On va évidemment pouvoir récupérer quelques petits objets. Les portes sont des choses splendides pour rentrer. Il n'y a rien comme rentrer dans une boîte d'or pour calmer les esprits. Mais certaines portes, par contre, ne peuvent pas être entrées. Mais certaines autres peuvent. Peut-être qu'il y a une facilité pour voir quelle différence il y a entre les deux. Juste peut-être. Donc là on peut et là on peut. Et ici nous avons un clown. Évidemment notre voisin. C'est la petite blague. Et nous avons des citoyens lambda. Et il y a un gros bouton rose ici. Si on a le press, on va pouvoir invoquer notre voiture. Et du coup, si on va assez vite, on va pouvoir détruire des blocs. Et nous allons éviter ce saleté de chanteur. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une certaine limite à la chansonnette. Ah, les jeunes gens ici dans ces jours en train de jouer leur musique, leur caca, en train de faire un cacafardaum dans leur email et leur voice pad, ou leur ce que tu as, tu en as, tu ne peux pas l'avoir, enfin tu en as assez, Clarence, n'est-ce pas? Cela blesse tes oreilles fragiles. C'est ce que ça fait, ça te cause de la vraie douleur. Et du coup, là, ça doit être une porte qu'on peut pas entrer parce qu'elle n'est pas de la même couleur. Et voilà, il y a une petite couleur différente. Donc, des sauts rigolos, mais pas vraiment. Hop. Parce que tu dois t'y reprendre à deux fois si tu ne le fais mal. Allez, la part des 717. Ici, ça doit être j'entends nous décliquer pour des blocs. Ces blocs ont l'air un peu fragiles, n'est-ce pas? Ce sont des chauffeurs mal faits, ou peut-être des biscuits, ou des gâteaux. Ou peut-être qu'ils sont faits de toutes ces choses. Oh, s'il y a vraiment beaucoup de probabilité. Mais enfin, il y a peut-être une manière que tu peux trouver pour les briser. Et nous sommes désormais à 723. Voilà, donc la voiture, on peut la laisser. Maintenant, on va... ah oui, c'est un peu chiant de l'atteindre par derrière. Et nous avons évidemment des criminels et des voleurs. Pourquoi serait-ce autrement? Et ils ne cachent rien. Ah, une porte sur laquelle on peut rentrer. Et évidemment, je fonçais sur le color swap de la mer. Parce que soyons honnêtes, c'est ça. Bon, 744 dollars. Et un bon combo. Une vieille dame qui ne demandait rien. C'est pas grave, nous avons récupéré deux pièces. Et comment dire, nos voisins sont bizarres. Mmh.
Krasit. Me m'en douter. Par contre, j'ai pas eu de... Si, c'était là. Je me disais, je vais devoir tout recommencer. Parce qu'il n'y a pas de télévision, mais heureusement, les portes marchent comme points de contrôle. Et heureusement, c'est vraiment l'inverse total de Raider. Raider, c'était pour revenir dans la difficulté des vieux jeux. Là, au contraire, c'est justement plus facilité. Pourquoi est-ce que parfois tu te retournes, toi? Oh, vraiment? Bordel. Qu'est-ce que fout une prostituée dans la cave des Namans? C'est pas grave. Des choses se passent. Je veux dire, on n'est pas là pour juger. On est là pour périr. Avec 763 dollars. Allez, petit ratou. Voilà. Mais purée, c'est leur chapeau. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Je comprends pas. Je comprends pas l'IA. Ah, peut-être qu'ils veulent juste éviter nos regards. Pas sûr, pas sûr. Bon, du coup, on a Lady. On a dû attendre avant de récupérer un cœur. Et ben voilà, notre chance est là. 777 dollars. Nous n'aurions pu rêver. Hein? Ouais, je me disais aussi. Ou non. On va devoir faire au maximum pour en profiter de cette hauteur. Nous sommes pratiquement à 800. Et nous avons réussi à récupérer une clé. Et c'était là d'où nous venions. Donc, continuons. La porte, on ne peut pas y rentrer. Celle-là non plus. Passons. Je suis sûr de y avoir un succès pour tuer tous les voleurs et pas les flics. Je suis sûr qu'il y a des trucs un peu débiles comme ça. Donc, continuons. Continuons et sautons. Et nous avons bientôt la barre des 800. Je crois que c'est dans ce dernier niveau où on va pouvoir utiliser l'argent. Bon, on va profiter pour prendre le petit raccourci. Le raccourci, le dos. Hop. Et nous avons barré la barre de 800. Nous avons barré. Évidemment, c'était la dernière, comme ça. C'est pratique. Et je n'ai point sauté. Je n'ai pas été assez rapide sur le bouton espace. Voilà.
Voilà, là c'était ce que je voulais faire, mais ce ne fut pas ce qui fut fait. Oula, j'ai failli rater la dernière pièce, et nous sommes donc à 831. Et du coup, des blocs. Il n'aurait pas dû que j'aille dans un autre endroit pour pouvoir nous débloquer ça. Et bah, allons-y. Hop. Par où, par où? Par ici. Espèce de sale clown. Bon, alors c'est sympa cette petite porte, mais je vois ici qu'il y a quelque chose de mieux. Oh tiens, un niveau dans les égouts. Rigolo. Alors, égout ou en haut? Vendu. Oh non. Les pires plateformes du monde. Les pires plateformes du jeu vidéo. Je dirais même. Non. Mon esquive fut tellement belle qu'on ne me l'a pas vu. Et va bientôt la barre de 900 dégâts grâce aux égouts. Avec autant d'argent, on est sûr d'impressionner la gueuse. Non. Et lui sans boire par la chauve-souris, vous allez voir. Oh non, tu m'auras pas. Non. Je savais que j'allais, quand ça savait que c'était limite. Non. Bon. La patience est une vertu. Mal dosé et ce fut mortel. Le pire, c'est que je crois qu'il va y en avoir dans le niveau 3. Voilà. Un franc succès. Zut, je voulais sauter en appuyant sur la touche. Oh, après m'être gratté l'œil, ça ne marche évidemment pas. Mmh.
Donc, nous allons aller ici. On va bientôt passer la barre des 900, dites donc. On approche bientôt les 1000 dollars. Allez hop. On perd la hanse. Allons-y, on y go. On va se prendre un petit point de sauvegarde. Hop. Et on y va. Non, on va continuer les égouts à droite, puis après je pense qu'on pourra continuer ici et récupérer nos petits ordinateurs portables. En tout cas, ça aurait été étonnamment fructueux ce voyage dans les égouts. On va dire qu'on y a croisé des fausses aventures. Ah, mais ça continue. Ah, l'ordinateur portable, on va en apprendre un peu plus. Grâce à Visage Tom. Et bah pas du tout, donc non je vais pas me couiller, je vais passer par là, on va voir ce qu'il y a en haut, je pensais qu'il y aurait une clé, ah bah non, zut, donc continuons. Donc finalement j'ai bien fait de prendre cette petite clé là. Et il faudra que je retourne dans les égouts avec une clé. Blablabla, hop. Son favori texture de Tridovite et de Céphalo pour des raisons évidentes. Franchement, les crânes de notre cher Clarence, vous allez m'écouter. Bon, du coup, il va falloir que je rentre dans ce petit bâtiment-là. Hop. Et nous avons passé la barre des 900 et nous sommes à 920. Lentement. Je pense que si je vais dans le dos, je pourrais activer ça nos boutons. C'est ça. Et il y avait un chien. Mais quelle horreur. Pourquoi? Bon bah en avant pour le petit cuisson. Hop. Et bah en avant pour rien du tout. Heureusement qu'il y a des sauvegardes entre les portes. Et en avant pour l'aventure. Et ben voilà, ce fut l'aventure. Donc, en avant pour les phases de plateforme par Ecodote. Et alors, pas du tout. Parce que dès qu'on change d'écran, c'est toujours la merde. Voilà, le plus dur est passé.
ça, le changement d'écran pour tomber sur une plateforme, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est de la merde. Hop, tu dégages. Nous sommes presque à 950. Plus qu'une petite pièce. Et nous serons pratiquement à l'île. Ah, il nous faut des... Ah, il nous faut une clé ici. Donc il nous faut une clé dans les égouts. Et il nous faut une clé dans la maison. Nous avons la clé de la maison, mais... Il y aurait une clé que j'aurais pas vue dans les égouts. Elle joue aux jeux vidéo, c'est mon genre favori, et les FPS. Bon, si tu as envie, mon brave. Voilà. Bon, quand on va retomber sur la bagarre, sur la mare des canards du parc, je pense qu'on pourra trouver, donc le temps qu'on y retombe, on trouvera la clé. Bon, autant tomber du plus haut. Voilà, bientôt l'île les gars. Ça veut dire que nous pourrons acheter des trucs sympatoches une fois qu'on sera à un marchand. Et j'ai failli me prendre une note de musique de ces jeunes racailles. Ça, je m'en doutais, c'est pas grave, comme ça, ça va me permettre d'y aller à la bourre, hein. Hop, voilà, et donc, un homme de chocolat blanc. Donc, si on a un choix de chocolat, soyons malins. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je peux pas accéder, mais ah, je peux peut-être sauter. Je peux peut-être sauter dedans. Hop. On a passé la barre des mines. Parfait. Non, 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 je veux pas descendre trop bas. Hop. Quand même devoir remonter, mais quand ça peine remonte. Non, c'était la pire chose qui pouvait arriver. Allez, le défi s'il vous plaît. Je veux au moins récupérer tout ce qu'il y a en haut. Au moins. Voilà, c'est au moins ça. Les blocs qui disparaissent et réapparaissent au-dessus du vide. Quel enfer. Allez, tiens. Donc,
Et non. Purée. Ah là là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais ton heure là. Oh là. Bon, ça va. Ça encore, c'est une erreur réparable. Parfois, vous devez sauter hors de votre voiture alors que c'est en mouvement. Ah, quel fou du volantier, Clarence. Aucun regard pour ne longer du tout. Ah, d'accord, va falloir sauter ici en dessous. Ok, ok. Nous sommes. Bon, bah, bonjour Yoshi, version voiture. Regardez tout ce qu'il y avait à faire ici. Du coup, sauter hors de la voiture. Donc, c'est comme ça. Voilà, parfait. Et on a une clé. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Non. Ça n'est point grave. Donc, avant de continuer dans le parc, nous allons continuer ici. Comment on fait pour aller ici? Comment on fait pour aller ici? T'avais pas de manie? Ouais, peut-être. S'il y avait une mamie, au moins elle réapparaîtra comme ça. Ça. Parfait. Et la voiture est utilisable, donc on va la quitter. Ah, oh, je me rappelais pas que ce truc c'était considéré comme un niveau. Par contre, je me souvenais qu'il y avait entre guillemets 4 niveaux, mais je me souvenais plus que c'était vraiment comme ça. C'est de souvenir, il y a enfin 4 niveaux, il y a entre guillemets 5 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a là, il y avait la maison, là il y a dehors, puis après il y a, comment ça s'appelle, le champ de travail, les magasins de nuit, et ensuite il y a bah, le rendez-vous, qui est le test ultime de est-ce que tu as bien fait ou pas. Et elle aime les escargots de mer. Attendez, stop, non, c'est des images de mer. Attends. Oh, je me rappelle plus. Là, non, c'est Snape, escargot, donc. Sinon, là, où est-ce qu'on en est au niveau de la personnalité? Ça, vous savez quoi, je ferai une capture d'écran pour ne point oublier.
Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie, évidemment. Vous avez la personne qui fait rendez-vous avec sa petite carte d'une tapière d'écran. Et quand la fille lui dit, lui, il sort et fièrement, il le tend et lui dit, ça y est, j'ai tout noté. D'horreur. Et évidemment, il faut que je refasse tout. Ouais, mais en même temps, s'il me fait exprès aussi. Hop. Voilà. Je pense que... Franchement, pour l'instant, je me débrouille beaucoup plus que la première fois que j'avais joué. Et là, j'ai beaucoup moins d'excuses d'être gosse parce que là, j'y étais moi. Parce que je me rappelle que j'avais fait essentiellement que essayer de foncer et j'avais absolument pas essayé de collectionner les différents objets. Les saletés de canard. Je ne savais. Bon, je vous retrouve là. Bon, voilà. Là, ça s'est beaucoup mieux passé. Et je ne suis pas absolument pas mort deux fois de plus. Hors caméra. Mais pas du tout. Du coup, on y va. Hop. Et cette fois, on a des trucs encore à casser. Parfois, l'espace semble juste se retourner sur lui-même. Enfin, un truc comme ça. Hop. D'accord, c'est un vrai bordel. Hop. C'est un vrai bordel, mais ça m'arrange. Bah dans ce cas-là. Ouais, d'accord, je vois ce que je vais devoir faire. Bon, on va déjà s'occuper de cette voiture là. Ah, c'est énervant, elle a déjà spawné donc. Donc on va te faire passer ça, hop, voilà, et on va te faire réapparaître. Et après, il va falloir que je monte
le haut de cette tour pour rejoindre l'argent. Et non pas notre Dimsy. Hop. Du coup, il y a comme une leçon. Je pense qu'on s'approche petit à petit de tout ce qu'il y a à voir dans cet étage-là. Enfin, cet étage-là, dans ce niveau-là. Saleté de musique. Bon, bah, tu sais quoi? Autant récupérer toute notre vie. Soyons pragmatiques. Hop. Et maintenant, il faut que je récupère la voiture pour briser les derniers petits... les derniers petits bouts. Évidemment. Ça va pas marcher en fait. Non. Ouais, mais ça va pas marcher en fait, ce que je voulais faire. Ah. Ça va pas marcher parce que c'est pas du bon côté. Ah tiens, par contre, quoi aller ici. Hop. Je vais sans doute décéder sur l'autre. Sans commentaire. Voilà. Purée. ouais. Alors, bon. Non, là, il faudrait qu'il traverse le lac. Voilà. Faut que je fasse un truc comme ça. Et... ah bah mince, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas... parce que si je fais ça, il va tomber dans le lac. Et de l'autre côté, il y a des trucs à péter. Parce que de l'autre côté, il y a des trucs à péter, non? Ma ballon, il se serait arrêté juste là, donc... Du coup, comment passer? Comment détruire des blocs? Comment? À mort les clowns. À mort les vieilles dames. Ah, mais je suis bête. Voilà. Je cherchais un mystère, mais oui, il n'y en avait pas vraiment. Donc, bien sûr que s'ils te disent que c'est un mystère, connaître pas ce retour de son hiver, mais ben, évidemment. Bon, bah, je crois que j'ai découvert tout ce qu'il y avait à découvrir ici. Bon, je pense que je peux continuer mon chemin sur la droite.
Je crois. En tout cas, il est propre à notre narance à nager dans les égouts et dans nos de mer. Ah, quel homme. Quel homme. Non. Évidemment. Je n'ai pas pris. Oh non. Pas, il a timé le fait que la voiture tombe pile au moment où on allait lui passer. On va quand même regarder s'il n'y a pas un truc. Voilà, hop. Non, il n'y a rien ici. Et je suis déjà allé dans la truc en haut. Ah, t'as avec le checkpoint avec le point de contrôle avec la voiture. Oh, c'est dégueulasse. J'aurais maintenu l'espace, ça aurait été encore plus. C'est marrant que toi, il a timé de lancer le gâteau. Ah, tiens. Le hockey désastreux. Bon, bah, je pense qu'il est temps d'avancer. Voilà. La vigne c'est fait et voici le travail. Ah, donc il n'y avait aucun objet et par contre je n'ai pas récupéré toutes mes pièces. Bah merde. Bah là je sais pas trop où les ai manquées. Bon. Et ainsi, Clarence est arrivé au travail pour un autre jour à remplir et les poches d'un homme. Soyez sûr de bien travailler. Les femmes ne sont pas très impressionnées par ceux qui sont sans emploi et peut-être qu'elles pourraient avoir cette promotion. Bon, bah, ce sera 98 pathétique. Clarence n'était pas complètement perdu ou ne s'est pas endormi sur le chemin du travail aujourd'hui. Bon, bah du coup, je vous retrouve pour la suite de notre aventure de la sœur Clarence Big Chance, fait par Pseudon Wolf et là, filmé du coup par Pseudo Moi. Je vous dis salutations à tous, à la prochaine pour un jour de travail.